À tes son côté. Ah Oui. d'accord. Qui est en galante compagnie. José, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour maman. Oui. Effectivement, c'est juste dit que ça va être chaud ce soir, plus précisément à la 7e tranche. C'est la revoiture officielle du Fonara Nightclub. D'accord. Je suis avec. Excusez-moi avant de poursuivre, je suis très curieuse. À tes son côté, ça veut dire quoi? Bon, en fait, personnellement, je suis artiste, d'abord artiste chanteur. D'accord. Artiste, ça signifie le pantalon qui masse les mollets. Voilà. Bon, ceux qui connaissent le concept, ils savent de Ils quoi je savent. parle. Ils savent, ils savent. D'accord. Donc, je disais que je suis avec José. 4 jours de folie au Fonara Nightclub. C'est quoi? Mercredi, nous avons José, ce soir même, à partir de 21h. Jeudi, nous avons le Zouglou Live avec Maman Manadia, que tout le monde connaît ici. Le samedi, nous avons de 17h à 23h. Rétro avec la clientèle du Fonara Nightclub. Le dimanche, nous avons Rumba Live avec Kitoko MM Mesomer, qui sera parrainé par Avi Isaac, l'ambassadeur de la SAP. Donc, je suis avec José pour confirmer à toute la clientèle du Fonara Nightclub qu'elle serait bel et bien là ce mercredi au Fonara Nightclub. C'est situé à la 7e tranche entre deux grandes stations, pour ceux D'accord. qui le savent. Voilà. Donc rapidement, je vais remercier certains parrains. Allez-y. En l'occurrence, Pierrot Leblanc, Maman Manadja, Al Conan, Rodic Poué et évidemment Avi Isaac, l'ambassadeur de la SAP. Donc je donne rendez-vous ce soir même au Fonara Nightclub avec José. Elle est juste à côté de moi. Allez-y. Bah ouais, je suis là pour confirmer que ce soir, le Fondaron Nightclub a choisi José pour être à l'honneur à l'occasion de la réouverture officielle. Alors, je voudrais inviter tous ceux qui aiment José, qui adhèrent au concept On fait rien avec ça, pour leur dire que ça se passera ce soir au Fondaron Nightclub. D'accord, merci. Merci beaucoup. Les Merci à vous. contacts? Les contacts 07 70 19 47. Vous avez Solange Manager au 40 93 90 16. Merci encore à vous, Daoudi, à tes son côté et Oui. José d'être venu sur notre plateau. Merci. La réouverture officielle du Fundaran Club, le Fundaran Nightclub, Effectivement, d'accord. Donc, c'est à la 7e tranche en gris. C'est aujourd'hui à partir de 21h. Appelez le 07 70 19 47 ou le 40 93 90 16 pour plus d'informations. Bonne journée à vous. Ok, merci merci. à vous aussi. Oxy Fololo, réouverture de. Réouverture officielle lors du Chocobar, Du Chocobar. Chocobar D'accord. discothèque situé à Macquarie, centre commercial. C'est d'ailleurs l'événement dont toute la ville d'Abidjan ne fait qu'en parler. Nous sommes enfin prêts, après 3 mois de travaux, à vous accueillir ce jeudi déjà, à partir de 21h pour son ouverture officielle. Et étant donné que le Chocobar est une grande maison qui a toujours posé des grands actes pour apporter encore plus de valeur à l'ouverture, déjà aujourd'hui, mercredi, à partir de 13h, nous avons un grand match de gala juste derrière le Chocobar. Il y a un terrain qui va réunir plusieurs équipes, c'est-à-dire l'équipe des boucantiers, l'équipe des managers, des artistes et des DJ. Alors c'est tout à l'heure à partir de 13h, juste derrière le Chocobar. Alors, pour revenir à ce qui est très important, il faut retenir que le Chocobar avait fermé pendant près de 3 mois, D'accord. chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, et c'était pour apporter quelque chose de nouveau, Okay. pour faire plaisir à ceux qui nous suivent depuis près de 6 à 7 années. Donc, déjà, nous sommes enfin prêts. Je vous invite à découvrir ce jeudi l'ouverture officielle du Chocobar. C'est un chef-d'œuvre à venir voir tout simplement, nouveau design. Et je suis sur plateau en compagnie du plus grand transfert. Parce que c'est un artiste coupé-décalé, c'est l'une des plus D'accord. belles voix du coupé-décalé, que le Big Boss Moussa Lennon n'a pas hésité de mettre les moyens pour transférer ce monsieur. Et sa présence est là pour juste vous dire que désormais, il officie au Choco de façon officielle. On peut rappeler son nom, s'il vous C'est plaît. DJ Chrysler. Chrysler. Alors, dames et messieurs, le rendez-vous est pris, c'est déjà bouclé, nous sommes déjà prêts. Et nous avons même donné l'occasion aux gens de venir visiter depuis 2 jours. Nous sommes prêts, les gens viennent visiter parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc demain jeudi, à partir de 21h, il faut se déplacer pour venir voir la nouvelle version du Chocobar. Beaucoup de choses vous attendent, beaucoup de surprises vous attendent, dames et messieurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, DJ Chrysler, vous êtes prêt? Oui, bonjour. Voilà, je voulais dire à tous mes fans que je suis enfin prêt. Et le Chocobar, c'est le 6. Donc, j'invite tout le monde à venir s'amuser. Et puis, c'est ça, quoi. Merci beaucoup.
Il faut aussi, avant d'envoyer les contacts, permettez-moi de rappeler qu'il est important, tout à l'heure à partir des 13h, un grand match de gala qui va opposer les DJ, les artistes, les managers, et c'est juste derrière le Chocoba à partir de 14h. Les contacts, pour tous ceux qui sont intéressés, veulent voir, qui sont curieux d'appeler au 76-03-03-41 ou d'appeler le 76-07-67-44 ou le 66-12-23-23. Merci encore à vous, Oxyfololo, d'être venu. Alors, pour tous ceux qui ont envie de voir le nouveau visage du Choco Bar Discothèque, eh bien, veuillez appeler le 67-03-03-41 ou le 66-12-13-23. Je rappelle que le Choco Bar est situé à Marcory, centre commercial. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je lis sur ma fiche, monsieur Conan Yao Alain Didier, monsieur Unzi Yao Dinard, c'est bien cela. Exactement. D'accord, merci d'être là. Alors, vous êtes là pour nous parler du lancement de la musique tradie moderne. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Bon, avant de passer la parole à monsieur Yao Dinard, je voulais d'abord présenter notre maquis Bal, la nouvelle version, qui est située à Yopougon, à Zito Village, terminus des taxis. Voilà, le maquis a connu son ouverture, je crois, le 22 décembre 2013. Et donc, nous voulons passer à une nouvelle tendance. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle l'artiste Guest Bon Sens sera parmi nous le dimanche. Et donc, je suis venu avec son manager qui est là. D'accord. Pour nous vraiment présenter l'artiste et puis, bon, confirmer. Voilà. Nous vous écoutons. Ben, écoute, moi, je pense que ma présence confirme déjà la participation d'Inguest. C'est dimanche. Au Makiba, nouvelle version VIP à Zito. Nguess sera là avec l'orchestre au grand complet et avec plein d'autres artistes qui évoluent dans le même registre. Alors je voudrais dire qu'il faut qu'on soit rigoureux par rapport au programme. 14h déjà, les invités seront en train d'être installés. 15h, il y aura une animation avec un partenaire de la place qui sera là pour des jeux, des cadeaux et tout. Et puis à 16h, d'autres artistes vont entrer en scène pour leurs prestations. Mais il faut dire que Nguess Bon Sens montera sur scène aux environs de 19h. D'accord. Voilà. Lundi étant donc un jour ouvrable, nous lançons un appel à toutes les associations des Baoulés et tous ceux qui aiment bien ce que Nguess Bon Sens fait. De venir, que c'est confirmé, on sera bel et bien là pour faire le show, pour lancer ce maquis qui donne fière allure au village d'Azito parce que j'imagine, de par sa position déjà, ça donne un plus déjà. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu et je suis sûre que beaucoup de personnes aimeraient participer donc à cette célébration. Tout à fait. Donnez-nous s'il vous plaît. Mais avec vos votre permission, je voudrais simplement relever une spécificité pour dire qu'il y a 104 invitations d'honneur à distribuer à des gens. C'était bon à savoir. On est vraiment tenu par le temps. Je suis désolée de vous interrompre. Les contacts, s'il vous plaît. Oui, les contacts, nous avons le 40 52 42 35. Nous avons le 08 24 55 18 et le 45 88 61 38. Merci à vous d'être venu nous parler donc du lancement de la musique tradie moderne. Retrouvez Nguess Bon Sens au Maquis Bar. Eh bien, c'est le 3e mois, donc le 9 mars 2014, à Yopougon, Azito Village, à partir de 14h, 45 88 61 38, 08 24 55 18. Madame, vous êtes invitée. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Vous êtes gentil. Merci. À bientôt. Ok, à bientôt. Gilda Salomé est là. Forum, bonjour. Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, FEF 2014. Le FEF 2014 qui commence déjà demain, 6 et le 7 mars 2014, à l'espace RAE UMOA au plateau. Alors, c'est sous le thème La femme, valeur sûre pour l'émergence. Et sous le parrainage de Madame Henriette Dacry-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Aujourd'hui, c'est juste des rappels. Le forum, c'est demain et vendredi sur le coup de 8h à l'espace RAE UMOA. En ce qui concerne les inscriptions en ligne, elles sont terminées depuis hier. Donc pour les accréditations des journalistes également, c'est terminé. Il va falloir appeler les différents numéros que je donnerai tout à l'heure. Pour les femmes qui voudraient également participer au forum, même si elles n'ont pas pu s'inscrire en ligne, elles peuvent venir sur le lieu demain à 8h pour pouvoir s'inscrire. Il y a des inscriptions sur place.
Voilà. D'accord. Donc les numéros de téléphone 22 41 45 65 02 41 26 49. D'accord, on vous donne l'occasion de lancer un appel. Merci d'être gentil parce que vous savez. Oui, c'est pas très évident. Alors, on invite toutes les femmes, toutes les filles qui sont en quête d'emploi. Toutes les femmes qui voudraient faire partir de l'émergence de la Côte d'Ivoire, de venir découvrir les potentialités féminines, de venir faire valoir leurs valeurs et puis savoir comment les utiliser pour faire avancer le pays. Gida Salomé, merci encore. Je vous en prie. Les contacts ? 22 41 45 65, 22 41 45 64, 02 41 26 49. Voilà, Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin dénommé FEF 2014. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à appeler le 22 41 45 65 ou le 02 41 26 49, l'espace CRAE UEMOI au plateau du 6 au 7 mars 2014. Jean-Yves Barol, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Vous n'êtes pas seul. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, spectacle du magique Playboy. On en parle avec vous. Oui, alors, il faut dire que c'est une aventure qui a démarré depuis belle lurette, depuis il y a déjà quelques semaines. Mm-hmm. Et le Magic Playboy Discothèque est situé, il faut le dire, dans la commune de Makori, non loin de l'église Sainte-Thérèse de Makori. Mm-hmm. Pour ceux qui connaissent la commune, l'église Sainte-Thérèse de Makori, mm-hmm. Nous sommes à quelques mètres de là. Il faut dire que, dans le souci de bien faire les choses, le Magic Playboy Discothèque a bien voulu offrir à sa clientèle des soirées, de très belles soirées en tout cas. Et donc, en ce qui concerne le programme hebdomadaire, il faut dire que déjà les lundis, nous avons des soirées, des nommées soirées prestige, voilà, où nous recevons des personnes prestigieuses dans le monde du showbiz. Et puis, les mardis, nous avons la soirée Parfum des femmes, où nous avons décidé de faire la part belle à toutes les femmes d'Abidjan. Voilà, tous les mardis, Parfum des femmes. D'ailleurs, hier, c'était la Miss Sarah Lévry qui était à l'honneur. Et tous les mercredis, la soirée Playboy. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, mercredi, son mercredi. Tous les jeudis, soirée Vantara avec des artistes de renom. C'est le coupé décalé en verve et tout. Vendredi, nous avons des soirées VIP avec des personnalités VIP qui nous rendent visite tous les vendredis. Samedi, nous avons des matinées à partir des 14h. Et dimanche, nous décidons de faire plaisir à tous les férus de la musique rumba. Il faut dire que l'événement, c'est aujourd'hui, mercredi ce soir. La soirée, c'est la soirée Playboy. Entendez par là, bon chic, bon genre. Vous voyez vous-même l'artiste à l'honneur voilà, qui colle un peu l'étiquette de cette soirée. Et l'artiste s'appelle Lova Lova qui sera aujourd'hui à l'honneur au niveau du Magic Playboy. Il sera en même temps à sa dédicace. Voilà, donc j'invite toute la population abidjanaise, singulièrement celle de la commune de Makori, à venir ce soir faire la fête véritablement avec Lova Lova, l'artiste, le chevalier gagnant du coupé décalé, comme il s'appelle. Voilà, c'est ce soir à partir de 21h au Magic Playboy. Pour tout contact, pour réserver, il suffit tout simplement de taper votre clavier. Et voilà, les numéros qui vous ouvrent la porte du bonheur au Magic Playboy, vous avez le 07 73 2 x 53, 07 73 2 x 53, le 01 80 03 46. Voilà. Jean-Yves Barol, merci d'être venu. Lova Lova l'artiste, merci aussi à vous. J'aime. Spectacle du Magic Playboy, c'est ce 5 mars 2014, aujourd'hui même, à partir de 21h, appelez le 01 80 03 46 ou le 07 73 53 53. Eh bien, mon sourire devient encore plus grand parce que j'en reçois deux grandes dames de la musique ivoirienne, Antoinette Alani et Tina, ben, je ne sais pas, Glamour. Ça a changé là, je sais que depuis lors. Lady Glamour. Lady Glamour, yes. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, il y a encore deux autres dames qui se sont installées. Bonjour. Bonjour, Caroline. Ben oui. C'est Dorian. Oui, Dorian, voilà. Justement, je cherchais. Baclaris. D'accord. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite et de votre présence sur ce plateau? Ben, on vient vous dire bonjour. C'est gentil. C'est Antoinette, elle est là. Quand elle est là, c'est le show. C'est cela. Donc c'est... ça, c'est la première nouvelle. Hein. Ah oui, c'est le show, mm-hmm. parce qu'on doit faire l'année tour. Mm-hmm. Et j'ai sollicité mes frères, mes sœurs, mm-hmm. de venir m'accompagner dans le tour. Et elles ont accepté. C'est pour cela que nous sommes venus vous dire bonjour. D'accord. Pour vous dire qu'on sera... Ça commence le vendredi. Mm-hmm. Vendredi, c'est déjà... À l'année tour, qu'est-ce que c'est? À l'année tour, ça veut dire qu'on est en promo, en phase de promo. Mm-hmm. J'ai mon nouveau qui sort bientôt. Il faut faire la promotion. D'accord. Donc, on a commencé, on a fait le cocktail de presse. Mm-hmm. Estelle et moi accompagné. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et voilà, on commence maintenant à l'année tour. On va passer un peu partout dans le quartier, dans les quartiers, mm-hmm. dans les boîtes de nuit, comme les maquis. Quel est l'objectif visé? Oui, pour aller vers nos fans. D'accord. Pour aller vers nos fans, parce que si on reste sur place, comment ils vont savoir qu'on a fait un nouveau truc? Mm-hmm. Donc, il faut aller vers eux.
pour montrer que nous savons, nous sommes toujours avec eux et c'est pour eux qu'on travaille. D'accord. Donc voilà, c'est pour cela que je suis accompagnée par Lady Glamour, Marcel Tina. Voilà, je sens que tu veux m'arracher des paroles. C'est clair. Mais voilà, je tiens à dire merci à tous mes fans. Vous savez, dans le showbiz, il n'y a pas d'âge. Hein. Comme ma soeur Alani vient de le dire, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma collègue, c'est ma soeur. C'est d'accord. Une famille. Et ce qui est intéressant dans la chose, c'est qu'elle a dit, tant qu'il fait un album, il faut aller vers les fans. C'est clair. Et on dit d'abord merci à la RTI, parce que sans aussi le côté visuel, on ne peut pas savoir aussi la preuve, hein, le beau clip qui passe et tout. Et je pense que l'âge qu'on a, il n'y a pas d'âge. Hein. Je donne toujours mais l'exemple. Vous êtes encore de... jeune, très jeune. Il y a des gens qui disent j'ai 105 ans. Mais 105 ans là, mon gars, il a 6 mois. Mais je bénis le Seigneur parce que Doriane, qui est notre petite sœur ici. Lady Glamour est sur le plateau. Ah, oui, et puis on va profiter quand même pour souhaiter. Un bon début de jeûne, bon début de carême voilà, à tous les chrétiens catholiques. Il n'y a rien de tel aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Tout à fait. Il ne faut pas aller prendre les cendres pour dire que j'ai c'est mis ça. Des cendres voilà. Sur la tête. Mais parce qu'il faut être simple avec Dieu. Donc, on est le vendredi, on sera le vendredi. Donc, on est dans le programme. Le voilà, programme. Je donne le programme. Vendredi 7 mars, à partir de 20h, au bar Force One à Técoubé. Loin de la mairie. D'accord. Pour ceux qui connaissent bien Técoubé, voilà. Et le dimanche 9 mars 2014 à 20h au Maquis Cogito À Williamsville. D'accord. Juste derrière une place, je ne sais pas s'il faut le dire. Non, si c'est non, derrière. C'est la voilà. D'accord, donc au Maquis Cogito. Ceux qui connaissent bien, ceux qui aiment le show, venez voir. Doria, merci. Venez voir, merci parce que beaucoup. Ça sera spectaculaire. J'imagine. On est là. Oui, je serai avec les grandes sœurs. Donc j'invite tous les fans de Tina Glamour, Lady. S'il vous plaît. Voilà. Et les fans de Maman Alani, moi aussi je serai là avec ma sœur. Donc on invite tout le monde, venez vraiment parce qu'on va casser la baraque. Tout à fait, merci on va encore tout à vous. Avec Alani, tout ne s'amuse pas. Et chaque fois c'est comme ça, on sera là et on fait le tour. Et quand Alani arrive, elle vient avec tout le monde. En tout cas, on sait avec que ça sera quelque chose de palpitant déjà, la configuration du plateau. Dorian et moi, on a été arrangés par... Que tu vas. Waouh, d'accord. Donc, et je rappelle que c'est deux mamans d'artistes de Vogue. Maman Yoro Boy et maman Kedjevara. Oui. Vraiment, félicitations et chapeau à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Bonne journée. Merci beaucoup. D'accord. Je sens qu'on va terminer cette émission en beauté, là. Voilà, Sarah Touré s'est installée. Éric Patron, bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Alors, Maquis Fréquence 2, version Zouglou avec Éric Patron. D'accord. Bonjour, Caro. La bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci de rester sur RTI 1. Alors, Maquis Fréquence 2, la version coupée, pas coupée, décalée, Zouglou, d'accord. Et aujourd'hui, représentée par Éric Patron, donc, qui va nous tenir en haleine pendant un mois, voilà, sur Fréquence 2. Alors, Maquis Fréquence 2 version Zouglou, l'animateur Éric Patron, c'est aujourd'hui hein, au studio Palaméwé à Fréquence 2 à partir de 15h. Déjà à 14h30, il faut être là pour ne pas avoir un problème de place. Venez faire la fête, c'est géant, c'est du balèze. On aura aujourd'hui la diaspora donc du Zouglou ivoirien. On aura beaucoup de monde, c'est la surprise. Hein. Exemple, Atito Kpata, star du Zouglou, les garagistes, venez, ça sera la fête. On rappelle, la fréquence, vu qu'il est l'heure. 92.0 Éric Patron, venez voir comment Éric anime de main de maître cette émission. On est collègues. On est collègues. Hein. Oui. Merci beaucoup à vous, Sarah Touré, Maquis Fréquence 2, version Zouglou, c'est avec vous. Et la version humour, c'est demain avec moi, bien sûr. Voilà, donc écoutez sur les 92.0 avec des Perpignan, Didier Laflamme et bien d'autres humoristes. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Nguet Santano, assistée de Christelle Akoussa. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 à 13h, vous aurez le journal. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.